le plus au monde. Parce qu'il est merveilleux. Je dis, oh là là, 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 oh Jésus, je t'aime trop. Et nous avons encore les amis. Et nous avons encore les amis. Je l'aime trop. Et nous avons encore les amis. Vous l'aimez pas aussi? Allez, maman. Allez, maman. À cause de lui, on ne peut pas me manger. Moi, moi, j'y vais arriver. Tu ne peux pas. Moi, Jacob, mais regardez. Néo disait, jamais tu pourrais me mettre dans une manite. Mais la vie, va dire tout. Je ne suis pas mangeable. Et lui, il est. Va lui dire, c'est lui. Moi, pour Azalago. Thank you.
Tu veux il a comme j'ai tout la sorcellerie. Après avoir vu un lion. Après on fait concert. Viens en blague. Ouais, amen. Est-ce que Dieu sait dans la louange? D'accord pour le nom de Dieu. Amen. N'oubliez pas d'acheter mon tout dernier CD. Le ces chansons là sont là-dessus. Mais les premiers qui m'avaient. C'est 6 titres et 8 titres. Et les livres sont en B-Remix. Le CD, il y en a ici. Combien tout le stock est parti à Dibon? Il y a un stock ici, non? Ouais, Anna. Ah, j'ai promis de faire un CD. Anna. Gagri Balio, Nyama et Fobi, Ati Balio. Je vous annonce pour un grand concert à Paris. C'est bientôt à Paris. C'est une question de jour. J'ai déjà annoncé. Tout est déjà bouclé. Pour que je reparte encore sur Paris. Et à partir de Paris, nous allons coordonner tout l'Europe. Je serai encore à Florence. Je serai à Asti. Je serai à Turin. Ça, c'est en Italie. Je serai aussi à Milan. Je vais toucher le pays qu'on appelle la Suède, l'Allemagne, l'Allemagne. Je serai aussi à Londres. Et cette année, je vais toucher les États-Unis. Ils sont en train de s'organiser. Je pense que tout est fin prêt. Une équipe viendra en mars, je crois, le mois prochain, pour finaliser tout. Justement, pour vous mobiliser à revenir, investir en Afrique. Que la gloire revienne à Jésus. C'est pas possible. Un concert terrible. Il n'y a pas la vie. Oh,
Amen. Et que le tout dernier. Amen. Je suis auteur-compositeur. C'est bien déclaré Burida. La France voulait un stop, on a dit non. Vous allez pirater l'album. Vous envoyez la valise de CD. J'arrive bientôt avec les valises de CD. Voilà, amen. C'est très bientôt. Voilà, en spectacle, on va faire le concert, on aura l'occasion de dédicacer le CD. Donc pour l'heure, il n'y a pas de vente chez Paris. Vous viendrez très bientôt, dans quelques jours. Et pendant le concert, nous allons vous donner les CD. Bon, des CD. Une manière de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. On aura un programme sur Florence, on aura un programme sur l'Allemagne. On aura un programme dans beaucoup de villes, de pays européens. Voilà, que la gloire revienne à Jésus. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Ce matin, vous savez que c'est le matin, on annonce la bonne nouvelle. C'est la nouvelle à ce matin. Là, tu es lucide. Puis c'est merveilleux. Amen. Il y a même un événement ce matin. C'est la dot du pasteur Philippe. Allez en famille. Et la famille a dit, bon, ils sont eux-mêmes l'église. Et l'église est pour Sarko. Donc on fera ça à l'église. C'est une très bonne idée. Parce que Dieu. Nous, notre tradition, c'est Dieu. Alléluia. Notre coutume, c'est Dieu. Alléluia. Chez nous, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Il y a une manière de faire la dot. Dans le milieu chrétien. Nous présentons d'abord le couple, au fait, ceux qui vont le futur marié. Et c'est l'église qui est chargé de présenter la dot après avoir prié parce que c'est la bénédiction de Dieu qui prime d'abord. Amen. C'est un fils, bien monsieur. Le monsieur qui a une cravate noire. C'est vraiment merveilleux. Et la future, elle est où? Amen. Amen. C'est sans commentaire. Il y a trop de sucre là, ça rentre dans le diabète. Le roi a dit vraiment, je viens de diabète pour un jour. Il est mon fils spirituel. Je l'ai gagné dans le Seigneur. Il y a un peu de je suis père. Et le retour. Amen. Je suis fier. Le roi. Je suis la dot de mon fils. Et non, ni pas les hommes. On est venu faire huit clones, mais on va immortaliser. Alors, regardez si vous voulez. Avant-il, bien que moi. Je dis, ce n'est pas caché. Et amen. Amen. Je l'ai gagné dans le Seigneur. Je l'ai formé. Et puis, je suis fier de lui. Comme on forme les parents comme on dit. Parce que mon ministère, c'est un truc d'élite. Je ne vais pas les présenter. Si tu es blanc, tu as fait. Si tu sais pas, c'est la brigade. Soit tu as le même. As-tu mangé? Voilà, pas le corps. Je l'ai gagné dans le Seigneur. On est depuis Fresco. À qui Fresco? On a eu le programme d'ici, il est venu. Il a été formé pendant des années.
ses yeux ont brillé. Oui, oh, il est pas là. Ça rapprochait l'image. Oui, oh, il est là, zéro. C'est comme ça. Dans le Seigneur. Après, il m'a approché. Oh, bien vous. Il dit, mes yeux brillent. Oh, il est plein comme vous. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, il sera la Seigneur. Oh non, pas non, tu vas faire avant, t'as pas de vie. Il y a une fille là. Elle est pleine. Elle dit, ah bon? J'ai approché la fille. J'ai échangé avec elle. Et ça, c'est un bon pas. Quand vous voyez une femme dans le Seigneur, vous approchez votre père. Vous lui demandez les conseils. C'est important. Il est bon de consulter les sages. Et j'approche la fille. Il y a aussi ma fille qu'on a gagnée dans le Seigneur. Oh, le mari est une bénédiction. Et j'ai approché la fille. Il est homme de Dieu. C'est pas facile. Hein? Parce qu'il y a gêne dedans. Il y a prière. Il va les rendre visite. On va le voir comme en train de chercher femme. Il doit aller rendre visite à les fidèles. La femme d'un pasteur est même maman de tout le monde. Elle va le caisser. Quand lui sort dehors, on l'attaque. Ok, là. Donc, on est là encore. Il ne faut pas venir la merder. Non, c'est là. Fais chant en ligne la nuit. Tu as deux jours dans la chambre. Non. Il faut être délivré. Amen. Parce que tu t'emmènes un homme de Dieu. Dieu peut te prendre. En cours du ministère qu'il a mis en lui. Oui. Toi, tu viens l'aider. Parce qu'il y a quelque chose en lui. Voilà, donc je suis fier. Parce qu'il assume. La Bible même dit Jésus, il avait les disciples qu'il aimait le plus. Quand ton père te spirit, toi, te dit fais. Quand tu gagnes son estime. C'est comme ça. Dieu aimait ta terre par rapport à quoi? Et moi, nous voyons. J'aime Jim à la M élevé matin, j'aime ta terre. Oui, avec nous. Si tu me manges demain. Si tu me manges demain. Ah, et ta. Et ta vie. Et ta vie. Moi, tu es prêt pour moi, je suis prêt pour toi. C'est ma devise. Tu n'es pas prêt pour moi. Tu es bon, on ne fait pas le chemin. J'ai compris ça longtemps. Depuis j'ai compris ça, j'ai compris. Le jour où tu n'es pas prêt pour moi, fais-moi ce chemin. Ah oui, parce qu'on a sang pour quelque chose. Pour changer les choses. Amen. Amen. C'est son mariage, j'attends pour voyager. Sinon, je suis prêt à partir. Voilà. Si j'ai pensé à moi il y a longtemps, j'ai pris mon avion, je suis parti. Mais je suis là parce que je les forme. Il y a une relais qui sont en train de préparer. Je vais les préparer. Lui va venir à Paris, il va prêcher aussi. Il est bien parti prendre l'avion. C'est ça le ministère. Il y a des bonnes choses dans le ministère. Quand tu es bien dans le ministère, Dieu va le point avec toi. C'est pas l'homme. Dieu touche le cœur de ton leader. Si tu es bizarre, tu seras dans ta bizarrerie. Parce que c'est Dieu qui ouvre les portes. Bien sûr qu'il utilise des gens. On ne le voit pas, mais c'est le cœur des gens, il touche. Il ne touchera jamais le cœur de quelqu'un. Je suis fier. Amen. Chacun d'entre eux a une histoire. Chacun a fait passant par son. Non, il y a ça. On n'est pas tombé du ciel saint.
Notre histoire, on a une histoire. Et puis quand on décide de dire bon, je veux maintenant faire du sérieux, on présente officiellement les personnes. Désormais, c'est sacré et c'est sérieux. Nous le présentons. J'ai déjà échangé avec la famille. Je suis venu leur demander. Mon fils, il a vu votre fille. Il veut l'épouser. Alors, il dit. Je suis son vrai père. Alors, tout est bon. Oui. Nous, on est dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on met devant l'église devant. Toutes choses coordonnées par l'église. Tout doit partir de l'église. C'est l'église. A donné la donne parce que c'est nous sa famille. Jésus a demandé, mais bon, vous cherchez mes parents, c'est qui? Mes vrais parents, ce sont ceux qui font la volonté. Les gens possédés au village sont sortis. Jésus qui veut donner ta dot. Tu finis l'alliance avec toi et Marie là, vous frappez. Oh, un sorcier comme celui qui donne ta dot. Non, comme c'est comme ça la tradition, c'est l'église qui doit donner date. Parce que le mariage doit sécuriser le mariage. On parle dans le mariage pour que ça se gâte. C'est la vérité. Depuis la chaque année, tu as enfant. Amen. Voilà donc l'église a analysé le dossier. Et c'est avec l'accord de l'église. Et nous sommes d'accord avec le témoignage. Parce que c'est important. L'église doit être d'accord avec le témoignage. On s'oppose au mariage. Et si l'église s'oppose au mariage, et tu veux forcer les choses, ça t'église est périlleux. Écoutez très bien. Quand vous avez un problème, de l'église doit venir analyser le dossier. Parce que le mariage, il y a ce que toi tu veux, et il y a le plan de Dieu. Le témoignage compte beaucoup. Quelle est rentrée dans le Seigneur là, qu'on l'a vu. Quel a été le changement de sa vie? Elle a changé comment? Est-ce que sa marche chrétienne est correcte? Est-ce que donc on analyse les choses et puis on dit ok. Et puis à un moment on voit qu'elle est bien. Et ça peut aller. Donc c'est avec l'accord de l'église qu'on a décidé de faire les fiançailles. Et l'étape la plus importante, après cette étape, vient le mariage. Mais voici le véritable mariage. Hein. Parce que c'est les parents qui marient leur enfant. À la mairie, là, c'est les formalités. On va faire les formalités. C'est la partie sacrée. Et la chose aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. C'est ces deux familles qui vont marier leur enfant. La dot devient un symbole. D'accord. La dot est un symbole. Vous donnez d'accord avec ça. Chez nous, les Guillaumes, on ne cherche pas loin ce coup-là. Avec petit chicote. On appelle ça gbagné. Malheureusement, on ne fera pas femme. Oui. Si, si. Quand vous vous mariez, c'est fini. Amen. Oui. La chose qui doit régner entre vous, chacun bien son caractère, ok. Vous avez bien réfléchi. Pas coup de poing qui va régler ça. J'ai vu un enfant des gens belles. Il ne faut pas la déformer. Hein. On va pas dire, mais donne-moi mes pas de beignets. Nous, notre beignet, c'est le Saint-Esprit.
Qui accompagne le mariage. Même pas, il a dit de regarder. Donc c'était important pour nous. Il est malade. On devait faire ça le week-end passé, mais il y a eu les funérailles de notre soeur. Le deuxième mois de l'année. Il faut qu'on fasse ça ce deuxième mois. Et nous allons quelques mois pour préparer le mariage. Monsieur, tu es d'accord que tu n'as pas changé de position? Tu as fait quoi, la fille? Tu as écrit? Ces gens ont rien pour consacrer. On dit, monsieur, tu as assez mieux. J'ai su que. C'est pas lui. C'est lui qui. Oui, c'est pas lui. Bébé. Tu as réfléchi. Donc tout Zaroko est témoin. Ta famille est là. L'église est ta famille, la deuxième famille. On s'amuse pas à ça. On peut s'amuser partout. Mais quand on dit j'ai fini avec amusement, c'est foyer. Quand on en a fini là, c'est là qu'on se met ensemble. Monsieur. Casser les autres ampoules, casse. Mais il est quoi faire dans le corps où tu es? C'est elle seule. Moi, je vais bien dire. Désormais. Et qui a dit? Il n'y a plus qu'on baptise. Il a bien réfléchi, j'étais elle. Non. Ce que tu as vu dehors. Avec le tour, oui. Bien de la sienne. Il n'y a rien qu'on. Ou bien? C'est ça. Mon cher. Elle a tout. Oh, bon. Tu te bats talon, elle. Dehors. Amène ta voix ici. Tu vois Maxi. Amène Maxi là ici. Et Maxi, là, toi, ce qui vient pour toi, Maxi. Tu attrapes aux oies, ça va. J'ai vu Maxi dehors. C'est qui te dira dehors? Il est porté ça aux oies. Il n'a même pas ça. Ça, c'est la réalité. C'est une joie de voir des gens s'aimer. Ils décident de se mettre ensemble. Oui. Quand on s'aime, on quitte papa, on quitte chez maman. Et puis on se met ensemble. T'as compris, monsieur? T'as compris? On quitte maman. On va se mettre ensemble. Donc, monsieur dit. Quand on vient. Il a regardé quand. Bon, c'est elle maintenant. Elle aussi a dit, ah, c'est un pavant. Et là, quand on est bon, chacun son petit, sa petite vie. Quand il a un peu pierre, on arrête avec tout ça. Mais lui, il est où? C'est lui. Vous vous aimez, c'est ça? Amen. Oh, il faut que Dieu soit au centre de l'union. Et là, ça, vous allez vous mettre en genoux. Oui, tout comme ça. Non, pas devant, non. C'est au mari, on vous met en face. Vous n'êtes pas encore truc. Mettez-vous comme ça en genoux. Voilà, comme ça. Oui. C'est quand on va payer la dot là, on va donner, que vous allez vous regarder. Vous vous tenez debout. Nous allons prier pour eux. Vous savez que le pasteur, il prie pour vous, il chasse vos démons. C'est maintenant que vous allez attaquer ces démons. Il vous délivre, va dire vous. Voilà, donc tous les démons de Nyeri. Ça arrête aujourd'hui. Amen. Le juge t'est trompé de porte. C'est fini pour toi. Hein? Un terrain a plombé ça. C'est pour vous. On prend le cadenas, on va mettre là. Prions, demandons au Seigneur de bénir leur fiançaille. Nous prions le Seigneur, merci. Que les bénisse. Et merci de te manifester pleinement dans leur vie. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons déjà détruire toute forme d'opposition. Ceux qui vont vouloir s'opposer, et détruire au nom de Jésus. Et merci pour la manifestation de ton esprit.
Merci au nom de Jésus que nous avons prié. On dit Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. C'est toute une cérémonie, hein, ça va. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Je suis entre les mains l'envie de. C'est important qu'on prouve ça en vous. Il est là, attendez, à lui. Ancien. Oui, papa. Moi, j'ai un laïc, viens.